Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT est consacrée ce jour à la grève des enseignants. Vous savez, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'enseignant. Mais malheureusement, il se trouve qu'au Cameroun, le pouvoir de Yaoundé a décidé de clochardiser ce corps professionnel. Comme pas mal d'ailleurs au Cameroun. Parce que ce qui intéresse davantage le régime de M. Paul Biya, ce sont ses forces de défense et de sécurité, c'est sa préfectorale, bref, ce sont ces personnes qui aident Paul Biya à asseoir son pouvoir. Voilà la catégorie socio-professionnelle qui compte davantage pour Paul Biya. Les militaires, les policiers, les gendarmes, les préfets, les sous-préfets et les gouverneurs. Alors, je vais m'adresser à ces enseignants. Cet agent pouvait... qui, en ce moment, observe une grève qui est justifiée. De mon point de vue, pouvait servir de questions formulées par les enseignants à l'application du statut particulier des enseignants. Alors, chers enseignants, tandis que l'application du statut particulier des enseignants que revendique de cette chronique en tant que journaliste, les membres du collectif on a trop supporté la OTS. Vous apportez tout mon soutien. Tandis que cet agent, cet chers enseignants. L'application, vous avez mon souci, ce statut particulier. Moi, ne devait poser un plus produit de l'école camerounaise. Dès lors que Paul Biya, si je suis journaliste aujourd'hui, si je suis à même d'aligner des phrases françaises, si je peux réaliser une chronique comme celle-ci, c'est parce que j'ai été façonné par des enseignants. Alors, j'estime ou je pense que l'enseignant doit bénéficier d'un traitement à la hauteur du rendement, à la hauteur de son rôle central dans la société. Vous savez, chers enseignants, ce n'est pas dans un pays comme le Cameroun où coule du lait et du miel que les enseignants devait recevoir des salaires de misère. Ce n'est pas dans un pays comme le Cameroun, où coule du lait et du miel, que le Cameroun devait recevoir un salaire de misère. Je me rappelle, quand moi j'allais encore à l'école au Cameroun, parce que moi j'ai fait le lycée des ECA, c'était entre 1997 et 2005, je connaissais des professeurs, des enseignants qui venaient à l'école en voiture dispenser les cours. Je me rappelle d'un certain Lee King Lee Hot, son petit nom c'était Dernier Bouton, qui était véhiculé. Je me rappelle également, Lee King Lee Hot, Monsieur Lee King Lee Hot, c'était un professeur de français très célèbre. Bon, ceux qui ont fait le lycée des ECA à l'époque savent très bien de qui je parle. Malheureusement, il est décédé, je crois, il y a 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Je me rappelle également d'un autre enseignant au lycée des ECA qui s'appelait Marot Sim Grégoire. Il était enseignant de, je crois, physique, chimie, technologie, quelque chose comme ça. Lui également, là nous sommes dans les années 96, comme ça, 97. Il arrivait souvent à l'école à bord d'une Peugeot 406. Donc à l'époque, quand nous on était un peu plus jeunes, nous voyons nos enseignants arriver à l'école en voiture.
Aujourd'hui, combien d'enseignants peuvent s'acheter un lopin de terre? Aujourd'hui, combien d'enseignants peuvent se targuer d'avoir construit une maison après 10 ans de carrière? Comment peut-on admettre que des enseignants, après avoir signé leur lettre d'affectation, passent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, sans avancement? Comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible qu'un enseignant passe 10 ans sans salaire? Comment fait-il pour payer son loyer? Comment fait-il pour payer ses factures? Comment fait-il pour envoyer ses enfants à l'école? Comment fait-il pour nourrir sa petite famille? Comment fait-il pour se soigner quand il est malade, quand son épouse est malade? Comment fait-il quand son épouse accouche d'un enfant? Où trouve-t-il de l'argent pour s'occuper de son épouse? Si son enfant tombe malade, où est-ce qu'il prend l'argent pour prendre soin de cet enfant? Comment cela peut être possible dans un pays qui a pratiquement tout dans son sous-sol? Du pétrole, de l'or, du manganèse, de la bauxite, de l'aluminium. Un pays qui possède une façade maritime. Un pays où on cultive du caoutchouc, de la banane plantain. Un pays où on cultive du caoutchouc, de la banane, du cacao, du café, à gogo. Mais les enseignants sont traités comme des moins que rien. Quand vous voyez ces dernières années, des élèves insulter les enseignants, des élèves s'attaquer à leurs enseignants, tuer même leurs enseignants, parce que je me rappelle, il y a 2 ans, dans un lycée de Yaoundé, un élève avait poignardé son enseignant. Ça montre à quel point le métier d'enseignant n'est plus respecté dans ce pays. Pourtant, je me rappelle, quand moi j'allais à l'école, à l'école primaire, quand moi je voyais mon enseignant, je fuyais. Parce qu'il n'était pas question qu'il me surprenne en train de faire quelque chose de pas très net, de pas très clair. Je fuyais. Au lycée, j'habitais un quartier à Ezeka qui était plein d'enseignants, dont j'avais des voisins qui étaient des enseignants. Donc, je faisais tout ce qui est nécessaire pour que mon enseignant ne constate pas que voilà, bien ton a fait ci, il a fait ça. Et il s'en va raconter à tous les camarades. Donc, je faisais tout ce qui est nécessaire pour envoyer une meilleure image de moi-même vis-à-vis de mes enseignants, parce que j'étais le voisin immédiat et lointain de beaucoup d'entre eux. Quand moi j'allais au lycée à l'époque. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les élèves ne respectent plus leurs enseignants. Justement parce que les conditions dans lesquelles vivent les enseignants ne permettent même pas à leurs élèves de respecter ces enseignants-là. Voilà pourquoi il est important que le régime de M. Paul Biya songe à revaloriser les salaires de ces enseignants-là. En Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire que nous passons le temps à insulter là, c'est très facile, hein? C'est très facile de trouver, c'est-à-dire que de rencontrer des enseignants, que ce soit du primaire ou du secondaire, qui touchent des salaires de 300 000, 400 000, 500 000, voire même 700 000. Au Sénégal, pareil. Et dans ces pays-là, les enseignants estiment même que les salaires qu'on leur donne sont minables. Ils en redemandent. Mais au Cameroun,
l'enseignant perçoit des salaires de catéchistes. Les enseignants perçoivent des salaires de catéchistes. Les salaires de misère. Comme je le disais tantôt, c'est très facile pour un enseignant au Cameroun de finir sa carrière sans avoir pu s'offrir un lopin de terre pour construire une maison. C'est facile. Pourtant, le Cameroun a tout. Le Cameroun est un pays immensément riche. Malheureusement, ces richesses sont concentrées entre les mains de la famille des Biya, entre les mains d'une poignée d'individus. Chers enseignants, vous devez également savoir que l'argent que brasse la SNH, écoutez bien, l'argent que brasse la SNH peut permettre de revaloriser, c'est-à-dire que de multiplier vos salaires par 3. C'est-à-dire que l'argent que brasse la SNH, Société Nationale des Hydrocarbures, malheureusement, c'est-à-dire que la Société Nationale des Hydrocarbures est considérée comme l'argent de... C'est-à-dire que c'est la poche personnelle de Paul Biya. L'argent généré par la société, le pétrole camerounais, entre dans les seules et uniques poches de Paul Biya et sa petite famille. C'est de ça qu'il s'agit. Chers enseignants, l'argent qui a été débloqué par le régime de Paul Biya, par le gouvernement camerounais, pour acheter 40 grosses cylindrées pour les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, cet argent-là pouvait régler vos problèmes, pouvait répondre à certaines de vos revendications. L'argent qui a été débloqué. C'est-à-dire que, regardez alors l'ordre des priorités du pouvoir de Yaoundé. Pendant que les enseignants sont en train de crier, de pleurer, ça fait déjà presque 2 semaines qu'ils sont dans la rue parce qu'ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Mais qu'est-ce que le pouvoir de Yaoundé trouve à faire? C'est de leur faire croire que, écoutez, vous n'êtes pas la priorité pour nous. La priorité, c'est que nos préfets, nos sous-préfets, nos gouverneurs travaillent dans de bonnes conditions et roulent dans des véhicules de luxe. Voilà le message que le régime des Biya a voulu faire passer à travers cette cérémonie-là qui s'est tenue, je crois que c'était à l'hôtel de ville de Yaoundé, c'est-à-dire que la présentation des 40 gros cylindres, des 40 VX là, que destiné à la préfectorale, aux autorités administratives, alors que cet argent pouvait permettre, pouvait être, alors que cet argent aurait dû être consacré à la solution aux problèmes que posent les enseignants en ce moment. Si ça avait été les militaires, si les soldats camerounais décident à l'heure actuelle, c'est-à-dire que si les soldats camerounais décident un matin que voilà, toutes les primes que nos supérieurs hiérarchiques passent leur temps à voler là, nous revendiquons cela, nous nous adressons au président de la République et au chef suprême des forces armées, son excellence Paul Biya, oh ceci, cela, nous revendiquons nos primes qui ont été volées. Je me rappelle, nous sommes en 2015 comme ça là, le 28 septembre. C'était en 2015. Non, c'était en septembre. Je me souviens plus de la date exacte, mais c'était en septembre, entre septembre et octobre 2015. Je me rappelle parce que j'étais encore au Cameroun à l'époque. Les militaires camerounais qui rentraient de Centrafrique parce qu'ils étaient engagés au sein de la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Bon, ils étaient engagés là-dedans parce qu'il était question que chaque pays membre des Nations Unies puisse contribuer pour qu'on paye
les soldats qui sont engagés au sein de cette force multinationale de l'ONU. Bon, maintenant, il se trouve que le Cameroun n'a pas contribué et cela a impacté sur ce que devaient percevoir les soldats camerounais engagés au sein de la MINUSCA. Quand ils sont donc rentrés de Centrafrique, mon Dieu, ils ont décidé de faire grève. Ils sont descendus dans la rue. Je me rappelle, ils sont partis de... Pour ceux qui connaissent Yaoundé, ils sont partis du Sefta de Kounou. Parce qu'à l'époque, j'habitais le quartier Kounou. Ils sont partis du Sefta de Kounou. Ils ont marché de Sefta de Kounou. Courant jusqu'à... ils sont passés par Mvoumbi. Ils ont prolongé jusqu'à la poste centrale. Ils ont tourné jusqu'au niveau du monument La Réunification. Donc, ils sont passés par la poste centrale. Ils sont passés par la poste centrale. Poste centrale, ils ont traversé le mess des officiers. Ils sont même passés devant le ministère de la Défense. Je merci, je suis, mes souvenirs sont exacts. Après, ils sont tombés au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où la marche s'est arrêtée. Et le lendemain, après cette manifestation des soldats camerounais, le lendemain, Paul Biya a décidé de payer leur solde. Donc c'était, je crois, 900 000 francs chacun pour chaque soldat. Tous les soldats ont été désintéressés. Tous ont eu leur argent. Or, voilà les enseignants qui manifestent là depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Qui a leur temps? Personne. Parce que ce qui intéresse Biya, et sa petite famille là, ce sont les policiers, ce sont les gendarmes, ce sont les militaires, ce sont les préfets, ce sont les sous-préfets, ce sont les ministres. Bref, ce sont tous ceux-là, toutes ces petites mains qui l'aident à consolider son pouvoir. Paul Biya lui-même perçoit 10% sur chaque marché public au Cameroun. Est-ce que vous le savez, chers enseignants? Je dis et je répète, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, perçoit 10% sur chaque marché public au Cameroun. Je dis bien 10%. C'est vrai, c'est sur la base d'une loi non écrite, mais c'est du vol organisé, ça il faut le dire. C'est du vol organisé. Pourtant, cet argent pouvait permettre de résoudre le problème des enseignants. L'argent de la SNH que Paul Biya, Chantal Biya, c'est-à-dire que l'argent de la SNH que la famille des Biya a confisqué là, pouvait résoudre le problème de ces enseignants. Pouvait revaloriser le salaire des enseignants, pouvait leur accorder et les avantages et les primes de risque et les indemnités de logement et les ceci et les cela, de manière à ce qu'à la fin du mois, l'enseignant, que ce soit du primaire, que ce soit du secondaire, puisse retrouver comme net à percevoir dans son bulletin de solde. 700 000 francs le mois. C'est possible au Cameroun. Qu'on arrête de donner l'impression que non, l'État n'a pas d'argent. Oh, vraiment, les caisses de l'État sont vides. Oh, c'est ci, oh, c'est là. Il y a de l'argent pour ça. Il y a de l'argent pour ça. Tous ces Essingans qui sont au pouvoir, là, ils ont amassé tellement d'argent. Parce qu'ils sont en train de se préparer parce qu'ils veulent parer à toute éventualité pour eux de perdre le pouvoir. Donc, ils ont emmagasiné suffisamment d'argent. C'est un effort de guerre qu'ils ont mis de côté
pour pouvoir reprendre un peu comme ce que vous voyez les Tigréens faire en Éthiopie là. Les Tigréens avaient le pouvoir à l'époque. Et c'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir qu'ils sont en train de vouloir diviser le territoire éthiopien. Ils veulent faire sécession de l'Éthiopie. C'est la même chose que le club Essingan est en train de préparer. Ils ont amassé suffisamment d'argent pour ça. Pour se préparer à mater toute velléité de leur arracher le pouvoir qu'ils détiennent depuis 40 ans. Or, cet argent-là, ces centaines, ces milliers de milliards qu'ils ont détournés pendant des années et des années, des décennies depuis qu'ils sont au pouvoir, cet argent pouvait permettre de sortir l'enseignement de l'ornière. L'argent que Chantal Biya et ses fils jumeaux ont volé dans le cadre des marchés, de l'attribution des marchés de l'organisation La Canne. Cet argent-là pouvait permettre de résoudre le problème de ces enseignants. C'est-à-dire que Chantal Biya, Ngongo Ferdinand, etc. Regardez par exemple ce que Ngongo a perçu en 5 ans. Regardez ce que Ngongo a perçu. Regardez sur le petit écran là. Regardez ce montant. Rien que ceci, ce que Ngongo et sa task force là créé pour l'organisation de la CAN, ce que cette task force a perçu, des centaines de milliards, cet argent là pouvait permettre de résoudre. C'est-à-dire que pouvait répondre aux revendications des enseignants, aux 20 revendications des enseignants, aux revendications que les enseignants formulent en ce moment. Ça veut dire que l'argent du pays est entre les mains d'une poignée d'individus, d'une poignée de parvenus qui n'en valent même pas la peine. Et quand vous remarquez bien sur ce document-là, la plupart des dépenses ont été consacrées à la CAN, hein. Donc, c'est-à-dire que regardez l'ordre des priorités de tout un gouvernement. C'est-à-dire que pour ces gens-là, la priorité, si ce n'est pas le divertissement, c'est l'appareil de l'État.